Ouverte. Monsieur le professeur, et maintenant, nous avons avec nous là, qui est disponible comme professeur d'histoire pour entretenir la population sous l'histoire pandémie à travers le monde. Mais il n'est pas seulement utilisé l'approche historique, il n'est pas seulement fait l'histoire, il peut parler tout de conjoncture là, côté d'un gouvernement que il a donné, qui a des décisions qu'il prend sous instruction président pour y accompagner le secteur privé et l'éducation. C'est peut-être ça, professeur Agenor Kadela. Moi, je dis bienvenue dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Là. Mais même j'ai un paquet de monde dans la population, hein, que ce soit ça qui est en Haïti actuellement, ça qui est à l'étranger, donc ça qui est suivi sur Internet, sur la télévision nationale d'Haïti, sur la radio nationale, sur la plateforme qui est disponible, Tributaire La Caille, plateforme ministère culture et communication. Donc, c'est une grosse mobilisation qui est faite pour conférence et pour toute l'autre conférence qui était faite déjà. Donc, professeur, bienvenue, vous avez le micro. Bon, merci, secrétaire d'État. Je salue tout le monde à la ronde Badè, notamment le monde qui est dans la population haïtienne. Je dis à monde là vivre en pandémie, COVID-19 ou coronavirus, nouveau coronavirus. Gampi l'explication Captain Tebay sous ça. Moun parle toute qualité causée. Nous venons aujourd'hui là pour nous faire une approche historique, mais nous avons seulement parlé de 10 gros pandémies dans l'histoire. Et nous avons dit tout, il faut que tout le monde soit réactif, soit très vigilant, mette en application tout ça au moment de mettre en application, yo, notamment autorité qui concerne pour ça yo dans santé publique, respecter toutes consignes yo, seulement n'a vigilant, n'a fait prévention, nous pas banaliser maladie, mais faut que nous pas créer tout trop panique. Faut que nous montrer tout que avant COVID-19 là, tu gagné un pile l'autre gros maladie, gros fléau qui te compte frapper le monde. Gen de moun jodi a k'ap pale, k'ap fè konnen, d'après tout ça m'attendé, c'est péché, c'est l'autre question qui vient avec bagage ça. C'est ça qui m'a commencé avec une pandémie qui t'a frappé le monde depuis avant Jésus-Christ. Dans la période 430-426 avant Jésus-Christ, qui te pote nom la peste d'Athènes, qui t'a développé dans la Grèce antique et qui t'a la cause 200 000 morts. Donc, on a parlé avant Jésus-Christ. On a avancé avec une deuxième pandémie qui portait nom la peste Antonine dans l'année 166-169 et qui a causé 10 millions de morts dans le monde. On a pris une troisième pandémie, c'est la peste de Justinien qui a été développée en Égypte en l'année 541 et la pandémie ça a été détruit un tiers population mondiale là dans période ça et nous gagnons Constantinople lui-même qui a perdu 40% population. N'a pour quatrième qui c'est la peste noire dans l'année 1347 arrivé 1353 côté près de 2 millions de chrétiens vivants ont perdu la vie. N'a pas le prendre une parle en pile de lit dans l'histoire pays d'Haïti et la France parle de lit, Haïti parle de lit. Parce qu'elle te joué un rôle dans sa nouvelle thèse naturelle pendant l'indépendance, pendant la lutte indépendance pays, on a parlé de la fièvre jaune. La fièvre jaune lui-même qui a débuté dans le monde en 1648, qui pral traverser trois siècles, 17e, 18e, 19e siècle. Et jusqu'à présent, pendant que je parle avec nous là, fièvre jaune n'a de quelque côté, la fièvre est toujours dans le monde, notamment les frapper en Amérique du Sud, particulièrement au Venezuela, en Afrique subsaharienne. Eh bien, avec fièvre jaune ça, nous avons gagné plus de 30 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Nous parlons de tomber dans la pandémie qui porte nos choléra. Mais pas choléra, ça nous a gagné tout dernièrement en Haïti. Parce que ça, c'était un début d'épidémie en Haïti. Mais ça, nous avons la pandémie choléra. C'était en 1826, 1830, 1831 et 1832. En 6 mois, tu as gagné près d'1 million de morts en Europe
et la France, pour qu'on parle, te gagne 100 000. Nous avons privé dans la grippe espagnole, que vous parlez en pile de lit en Haïti, grippe espagnole qui te paraît dans le monde après la Première Guerre mondiale là, et qui parle développer tout partout dans l'année 1919. Et grippe ça, lui-même, grippe espagnole là, lui te causé la mort 25 pour arriver 50 millions de monde dans le monde. N'a pas quitté grippe espagnole pour nous tomber dans une huitième pandémie qui c'est grippe asiatique qui lui-même te paraît en Chine dans l'année 1956 et qui te banou 1 à 4 millions et de morts dans le monde. États-Unis, pour qu'on te parle, te gagne 70 000 là-dedans. N'a privé dans grippe Hong Kong qui te paraît en 1968-1969, lui-même qui devant nous plus de 1 million de morts dans le monde. Et nous arrivons dans la dixième pandémie qui c'est SIDA. SIDA, c'est une chose que tout le monde aujourd'hui dans la génération ça, il entendait parler de lui. Et nous fait connaître que SIDA lui-même, aujourd'hui nous dans l'année 2020, il faut que nous disions que SIDA arrivait dans 11 siècles depuis qu'elle était parée. Parce que il était premier découvert, bon pas découvert, il était commencé dans la forêt à Kinshasa dans l'année 1920. Cependant, c'est dans l'année 1981 qu'il y a eu premier alerte sous affaire SIDA. Et 2 ans après, soit le 20 mai 1983, il y a eu l'Institut Pasteur qui a découvert le virus et SIDA. Et sorti dans la période de ma parler là, dans l'année 1981, jour où j'ai déclaré premier alerte là, pour arriver aujourd'hui, nous avons plus passé 35 millions de monde qui mourent dans le SIDA. Et il faut qu'on dise, dans le début de l'année 2000, chaque année, 2 millions de monde mourent par année, te mourent dans le SIDA. Donc, 2 millions par année depuis le début de l'année 2000. Mais aujourd'hui, il fait baisser, mais toujours là. Malheureusement, jusqu'à présent, après 11 siècles ou après des dizaines d'années depuis l'alerte qui vient de faire là, pour qu'on jamais un vaccin qui traite le sida, mais un traitement pour lui, aujourd'hui. Et qu'on pile monde qui sous traitement. Eh bien, aujourd'hui, là, nous venons gagner nouveau coronavirus, COVID-19. Eh bien, qu'on pile monde qui pensait que c'est pour la première fois dans le monde, donc, venons gagner une pandémie. Donc, c'est dans ce sens-là, nous avons décidé pour retracer, eh bien, 10 plus gros, eh bien, nous dit plus mauvais, plus méchant, eh bien, pandémie, dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons le coronavirus. Côté, pendant ma parole là, nous avons déjà dépassé et plus passé 40 000 personnes qui mourent, même si il y a plus passé 140 000 tout qui déclaré guéri ou bien qui considéré comme guéri, pendant que nous avons plus passé 700 000 personnes cas d'infection. Donc, ça, c'était la première partie dans l'intervention. Côté, nous avons retracé et bien histoire, gros, pandémie qui bouleversait le monde. Deuxième aspect intervention, non, nous connaissons non seulement le gouvernement là dans l'an, administration Moïse Joutla, l'IT prend en dividal mesure, des mesures préventives, en pile sensibilisation, en pile mobilisation, mais en dehors de toute pile mesure préventive, ça autour, gagnent mesures d'accompagnement. Nous avons quelques jours, nous avons gardé côté, eh bien, l'État central là, la marché pour te manger dans l'assiette moun yo la kayo même. Dans porte à porte, il y a poté bagay pour moun yo manger. C'est dans ce sens-là tout, dans le cadre de mesures accompagnement social économique yo, où tendons très de mesures sur le plan économique, côté gan pile report qui fait, gan pile bébol sous affaire économie. Mais dans ce sens-là tout, nous connaissons moi-même comme ministre éducation, nous concerné par mesures sa yo. Et en plus, on a posé cette question, fois ça, ce n'est pas l'ordre politique, ce n'est pas moun qui t'a attaqué l'école, qui ferme l'école, c'est l'État, dans la mesure préventive, li, qui prend décision, ferme l'école, pour éviter propagation, fléau ça, vivre dans le monde. Et bien, dans ce sens, l'administration Moïse Joutla décidé pour accompagner, et bien, dans le jour qu'a vini la yo, il est vrai que, faut que nous donnions précision pour nous, l'école en Haïti est arrivée dans un moment où l'État a fermé pour vacances Pâques. Et pour te relouvrir porte-li
le 13 avril. Jodi a, pendant ma parler à là, c'est à partir de 13 avril, nous allons regarder exactement combien de jours, combien de temps nous allons perdre dans l'école. Parce que dans le moment où nous avons fermé l'école là, de manière anticipée, c'était en semaine l'école qui était pour y avoir des témoignages à l'invacance PAC. Eh bien, jodi a, eh bien, l'administration Moïse Joutla a décidé pour l'accompagner toute l'école privée et l'université privée. M'a regardé avant-hier dans Grand Dans, il y a un groupe professeur de l'État qui a l'être dans le monde qui touché, qui a fait un mouvement. N'a pas dit que nous ne pouvons jamais prendre mesure pour l'école privée sans pour ne pas penser à enseignants qui sont dans l'État qui a l'être dans le monde qui touché. N'a pas regardé tout comme dans le masse là, l'État décidé faire un paiement anticipé. Depuis bien bonheur, il y a tout professeur qui travaille dans l'État qui budgétisé. Eh bien, dans un compte avec le ministre Finance, sous décision président, eh bien, les femmes connaissent que j'ai travaillé sérieusement pour être capable de payer tout professeur. Nous avons 6 000 dossiers déjà dans finance qui ont l'être dans le qui ne pourront jamais arriver toucher parce que pas de budget. Et vous comprenez ça tout. Depuis en 2017, nous n'avons jamais un nouveau budget. C'est de temps en temps un budget qui a reconduit. Et là, ça, vous connaissez, pendant ce temps, nous avons fait une nouvelle nomination. Et je dis à la, nous déjà à plus passer 11 000 nominations. Papita, c'est hier, côté dans l'archive du ministère de l'Éducation nationale, nous avons gardé, côté nous avons gagné 2 922 nouvelles lettres pour tout enseignant. Donc nous comptons que du fait que l'administration nous l'a donné, les bouchers en vanne qui était ouvert pendant trop longtemps et pendant des dizaines d'années. Eh bien, qui je sais pas le fait dans l'école yo? Eh bien, nous déjà avons toutes les yeux. Malheureusement, les présidents finaux annoncé mes ça. Nous t'es passé par direction des Atmantalio, par BIS, par BDS, Bureau Inspection Zone, Bureau District Scolaire, pour nous être capables de jouer liste école. Nous tapons, on travaille sur ça. Malheureusement, ça va montrer nous dans le pays ça, dans pile bagaille qui méritait corriger. Gen quelques côtés dans le pays, quelques départements, côté Mounio qui a créé l'école. Je connais même Magouille qui a gagné l'affaire Psugo. Il a créé une nouvelle école carrément. De l'autre côté, tout, là dans l'Ouest, je joins deux directeurs de l'école qui font des témoignages. Malheureusement, nous avons une question de complicité tout dans le pays. Il y a vraiment non moun sa qui dans l'État, qui dans l'éducation nationale, qui fait des propositions indécentes. Il y a un directeur de l'école qui dit, moun qui vient côté pour le liste là, il dit là bas quelques noms pour mettre là dans le bouli. Bon, l'autre, l'école même, les lalpotes l'isli, yo ta vle pour l'abaye l'argent, pour le déposer l'ista. Eh bien, malheureusement, pour tout le monde, nous même dans l'éducation, nous gagnons toute liste, l'école avec université qui existait. Jodia, nous gagnons 20 900 écoles qui existaient dans le pays, et gagnons près de 17 000 qui sont l'école privée. Et nous connaissons, en tant qu'enseignant, en tant que responsable ministère de l'éducation nationale, combien de monde qui est capable de gagner dans l'école qui gagne premier à deuxième cycle, en parlant de enseignants avec petit personnel, nous avons combien de professeurs tout a gagné en dans un collège qui a travaillé dans le troisième cycle avec dans le secondaire. Donc, tout calcul sont déjà fait et nous avons déjà préparé une lettre pour nous voir le ministère des Finances avec tout tableau qui va virer l'argent sous compte ministère pour nous remettre directeur l'école qui lui-même va gagner pour non seulement payer les professeurs. Et même si ce n'est pas totalité, ça a été fait, mais en même temps, tout, la bien pour remettre par l'État, on la fonce de, comment on dit ça, on rapport de paiement pour tout enseignant qui va le payer. Donc, nous, clair sous lit, dans l'université de l'État, dans l'université privée, il y a environ 10 000 enseignants cadres avec personnel de soutien, personnel administratif, il y a tenu compte de tout, bien que dans l'université A, plus passer 80% pour ceux qui ont fait coup dans le privé, c'est au plan l'État tout. Même gens tout dans le secondaire, 72% pour ceux qui ont fait coup dans l'État, c'est au même, ils ont privé tout. Bien entendu, nous avons un nombre d'écoles privées, nous avons fait tableau, tout le bagage va passer très clair, sans pas gagner et mauvais bagage fait noir. Jean, quelques mouns ont commencé à faire le passé, les Allemands ont information. Donc, nous disons tout le bagage sont entrés dans quatre mesures d'accompagnement administration Moïse Joutla. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre. Rapidement, quelques questions qui rapidement a pu venir chez nous au niveau du Centre d'information permanente sur le coronavirus. Concrètement, est-ce que déjà il y a un chiffre notable et souli pour venir en aide, question d'un journaliste, pour venir en aide à enseignants dans le secteur privé? Oui, nous sommes dit derrière là. Nous, aujourd'hui, nous avons 20 900 écoles qui existaient. Et nous parlons de l'école fondamentale complète avec secondaire. Dans l'école privée, nous avons environ 17 000 et dans la direction et programmation dans le ministère, nous avons liste toute l'école SAO avec adresse. Et enveloppe là, et plus précisément, je voulais poser. Est-ce que l'enveloppe nous gagne? Non, enveloppe là, nous ne pouvons pas parler sous lui parce que le président prend les UIA, nous travaillons sous ça pour nous identifier l'école. Et c'est moi-même, je dis avec le ministre Finance. Eh bien, je dis à nous nous font lettre, quand nous voyons une lettre de demande par le ministère des Finances avec tableau, et c'est maintenant l'école eux-mêmes. Parce que, écoutez, il y a des gens qui sont professeurs dans l'État, qui en même temps professeurs dans le privé. Et vous connaissez chaque professeur par gagner même mesure d'argent et dans un fait coup. Par exemple, moi, moi-même qui suis professeur, je songe l'école m'a fait coup là-dedans jusqu'à présent, l'emmener là-dedans, je vais pile, je vais faire pile coup. M'te dépassé 20 000 gouttes par mois. Mais je dis à m'en 8 000 gouttes par mois là-dedans. Parce que me fait seulement 2 heures par semaine. Qui m'en 8 heures par mois. Maintenant, c'est direction l'école là lui-même. Il a pour mettre l'enveloppe là. En fonction de professeurs qui yo. OK? La connaît qui ça pour le parce que il y a des professeurs qui travaillent dans 4-5 collèges. Mais il y a tout selon seul collège de travail. Si en fonction du nombre d'heures, eh bien, direction l'école ça lui-même, elle répartit. Et c'est ça qu'on a exigé de toute. Et direction l'école privée ça yo, de toute université privée yo, en rapport de paiement, là nous fin remettre yo, ça n'a pas remettre yo. Bonjour, alors bonsoir, non pas M. Marie-André Bélange, je travaille pour Radio Vision 2000. Monsieur le ministre, tout à l'heure, il avait aussi dit que c'est à partir de 12 avril, oui, 12 ou 13, que nous connaissons combien de jours de classe nous avons été. Maintenant, le ministère a pris l'initiative, vous mettez campé en plateforme numérique. Est-ce que nous prenons en compte le fait que problème électricité, Internet, comment ça va le fait? Est-ce que l'on prend une décision comme ça, c'est pas pour un petit groupe monde? Comment on compte faire ça? Et après, au cas où la pandémie continue à faire ravage, pour examen officiel, est-ce que nous déjà prenons une disposition? L'on connaît, si nous avons déjà perdu un paquet de jeux de classe dans le mouvement Pays-Loc. Bon, question langue là dans le plaisir vous l'avez. Il est vrai que dans la phase d'où est la Jodia, nous allons préparer à nouveau un calendrier réaménagé. C'est lui qui a dit qu'il a fait examen d'État. Mais quand il y a là, priorité, c'est pas examen d'État parce que l'école ferme. Donc, il ferme de manière anticipée, j'aime dire là. Mais nous dit l'école là, tu as relouvrir le 13 avril si pas de problème, ça, on te posé là. Maintenant, tout bagaille va dépendre de l'évolution du virus là dans le monde là et surtout chez nous en Haïti. D'accord? Maintenant, pour question plateforme numérique là, nous entendons pile parler qu'a fait sous lui. Mais attention, est-ce que bon, je dis là m'a regardé dans on sait des gros pays développés et notamment dans Canada, dans pays la France. Je dis à tout m'a parlé de mise en œuvre de plateforme numérique. Et nous t'ai déjà parlé de lui, mais nous connaissons des problèmes d'électricité, mais nous t'ai parlé tout de question téléphone non. Par exemple, je dis là, quoi privé dans plusieurs côtés qui pas électricité. Ou à jeune moun nan gon téléphone nan mel qui branche internet et puis qu'elle charge quelque part quand même à partir du téléphone capable aider lui. Maintenant nous pas vle bay en pile détail jodi à la sous question plateforme numérique là parce que matin là tout gros spécialiste qui dans ministère a moun qui responsable unité technologie information et communication yo fait que saute faire là en présentation de plateforme là qui a disponible et pour professeurs et pour directeur l'école et pour parents et pour élèves. Nous n'avons pas de prétention que à 100% nous allons toucher les gens. N'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est de s'embarquer. Et nous avons toujours dit à la, nous avons une présentation pour moi. Nous avons garanti lundi. Donc, nous prenons la liberté de dire avant et autorité qui ici a. Lundi, aux environs de 10 h, nous avons un spécialiste question dans le ministère avec tout directeur de communication qui vient présenter largement large plateforme numérique là. Pour nous avoir toute explication possible sous lui. Alors, merci, Monsieur le Ministre. On a une question de Pierre-Marie Raphaël de Radio Ibo. Est-ce que le ministère a envisagé l'option radio pour permettre aux élèves de continuer à apprendre? Et
Matin là, m'a écrit ministre culture et communication, collègue Pradel Henriques, en lettre pour demander aide d'antenne dans radio nationale, dans télé nationale. Et n'a pas envisagé tout l'autre radio tout qui vient porter condition pour la donne. Effectivement, nous avons une liste d'enseignants de carrière, spécialistes question yo, qui va faire des émissions dans radio et dans télévision sous programme yo. Donc, un appel de la première année à la terminale. Bien que nous-mêmes, classe qui peut intéresser nous, c'est classe d'examen. 9e avec baccalauréat. Et nous avons pile l'autre mesure tout. Nous commençons à prendre dans le ministère. Et nous voulons nous anti-prime là-dedans, comme nous l'avons gardé, nous attendu. Et dans le compte avec tout mon cabinet, tout technicien, nous avons même envisagé, côté, nous avons le programme, certes, mais dans pile pays dans le monde, pays développé, nous avons pris la France, etc. Eh bien, en vente, quelques temps avant l'examen l'État, yo bay ti moun yo, yo sélectionné des chapitres sous qui ça examen a sorti. OK? Et là ça, c'est pas encourager apparaisse parce que yo gèt fini tout programme yo, mais dans cadre de révision, yo pa gèt bagage puis yo fin prend. Mais faut que m'dou tout. Gan pile enseignant tout me connaît personnellement qui travaille même côté avec ou bien l'autre côté qui était déjà très loin dans programme yo. Moi-même m'a bon petit témoignage même si tout enseignant pas moi-même. Moi-même qui travaille actuellement dans la classe terminale. Dans l'école, je travaille là. Il est vrai, bon, je travaille en ligne avec eux. Mais avant de venir travailler en ligne là, eh bien, dans la classe terminale, ça, dans le programme même, dans l'histoire et la géographie, eh bien, je presque fini net avec le programme pour l'année. Sans m'aller vite. Parce que nous avons une nouvelle donne qui s'approche et par compétence, qui dit, ce n'est pas mettre la journée à travail, c'est tout le monde qui travaille. Je prends par exemple, et programme histoire nationale dans classe terminale qui c'est après deux occupations américaines privées en 1991 et bien avant l'école la fermé on était déjà fin ouais toute période des deux Duvalier et c'est seulement après Duvalier n'a pas le ouais me définir programme dans histoire nationale et moi que c'est hier là me poster un devoir ba ti moun yo pour évaluer et bien situation politique sociale économique pays d'Haïti de 1986 à 1991. Et en matière d'histoire universelle, nous avons déjà fini tout le programme net. Et en matière de géographie, nous avons seulement été les aires de puissance pour nous définir avec le programme. Et grand pile l'autre enseignant qui consacre tout. Mais si l'autre qui ne consacre pas tout, eh bien, comme nous dit, il y a un sac capable de travailler en ligne, et même l'autre travail en ligne, même les gains télé-enseignement, mais l'école a ouvert tout. Dans pile mise à niveau qui est capable de faire dans ce sens. Mais nous tenons compte de tout élève qui est tout candidat qui est dans le baccalauréat ou bien dans l'examen d'état en général, soit dans l'ENI, soit dans la 9e année, soit dans le baccalauréat à un moment quelconque. Donc nous ne pouvons pas déterminer qui moment aujourd'hui, mais nous connaissons, quel que soit l'air, il faut que l'examen d'état quand même. L'autre question, Monsieur le ministre, et par rapport à mesures que nous annonçons, notamment à travers l'utilisation. Et pour faire couyo pour la télévision, mais il y a un problème courant dans le pays et accès, notamment à travers nouvelles technologies. Est-ce que là, nous ne pouvons pas accentuer l'école à double vitesse? Bon, moi-même personnellement, depuis avant de devenir ministre de l'Éducation nationale, je fais tout pays. Maintenant, tout coin est dans le pays. Il y a des côtés arrivés, pas de courant du tout. Et même après 100 ans, pourquoi il y a un courant toujours? Ou je m'en a fait la radio quand même avec Tipilio. Donc, il faut qu'on ne sous-estime tout des traditions que tu as gagnées depuis longtemps. Et nous ne pouvons pas dire peut-être nous ne pouvons pas toucher tout 100% de nous pour nous dire pour ne pas faire rien du tout. Donc, moi, c'est l'essentiel, j'aime dire, il faut que nous embarquions, il faut que nous commençons côté quelqu'un. Mais j'aime dire, il y a vraiment dans pile zone reculée, qu'on ne peut pas penser, eh bien, il y a pile d'efforts qui fait dans affaires information, dans affaires radio. Et c'est ça que fait l'émission. Quitte c'est dans la télévision, quitte c'est dans la radio. Et comme je me dis, nous en plus tout. Nous connaissons maintenant grande ville, il y a des lèvres, des courants, des pas des courants. Mais l'émission n'a pas passé seulement une seule fois. Il y a une pile reprise dans l'émission et il y a une pile l'autre et accompagnement tout qui a gagné pour nous. En question de l'UNI, de Zénith, qui est écrit nous là, moi, ministre, on pèse en pile sur l'apprentissage numérique là. Et on dit que tout le monde n'a pas touché. Qu'adviendra-t-il pour rester moun sa yo qui pas touché yo? Nous avons pile scénario. Nous sommes dit à là. Par exemple, quelle que soit l'école, tu es capable de l'ouvrir.
même les téléenseignements, mais nous allons gagner tout des coûts de mise à niveau. Nous allons gagner des coûts de rattrapage pour un pile de monde. Donc, si monde qui a une chance suivant ligne déjà, il est capable de venir ou encore. Mais ça n'a pas de chance. Tout la tout la chance parce que nous avons déjà mobilisé déjà une équipe d'enseignants dans le pays d'Haïti. Et ils ont même qui parlent faire émission dans la radio, dans la télévision. Ils ont prêté là pour nous tous. Après, ils ont fait coup de rattrapage à travers le pays pour tout le monde qui est dans l'école dans le pays d'Haïti. Ça, c'est un ami qui est dans la diaspora qui vous a question ça pour vous, monsieur le ministre. Il dit qu'en temps normal, toujours que tu as Timonio, il n'y a pas de distanciation sociale là. Est-ce que qu'on y a, après, comme pandémie, hein, et comment nous allons gérer l'affaire de distanciation sociale là, et à l'avenir, dans les affaires d'éducation, qu'elle était dans l'école privée, qu'elle était dans l'école publique? Bon, je comprends la question, Zamian. Et c'est justement ça, nous connaissons même, dans le niveau de l'État, dans le niveau de l'administration centrale, qui fait nous dériver, fermer l'école. Parce que nous devons éviter propagation virus là. Maintenant, là, l'école après elle ouvre, eh bien, c'est une autre situation à pied. C'est pas la même situation ça encore d'alerte qui gagne avec COVID-19. Donc, c'est une autre situation. Et j'aime ce dit d'aller à la, l'aime d'a présenté 10 gros pandémies qui prend le monde. Non. Donc, en pile, nous avons pile mesures qui te prend, pile mesures de prévention. Mais immédiatement, baga la vine passe, eh bien, tout baga la vine retourne à la normale. Il n'y a pas d'autres questions. Et, monsieur le ministre, parce que mon message est tout à fait spécial, on va bien pour bailler à tout le monde qui est dans le secteur éducation aujourd'hui. Merci. Bon, on a saisi l'occasion pour nous dire, vous connaissez des fois, nous avons très mal interprété ça, nous dit. Nous pas dit que l'école a rouvert le 13 avril. D'après calendrier réaménagé, nous avons gagné, hein? L'école a fermé pour vacances Pâques, dans la semaine ça la même, qui se passe à la même. Pour te relouvrir le 13 avril, en temps normal. Mais comme nous en période de crise, eh bien, réouverture l'école va dépendre de l'évolution du problème dans le monde et surtout en Haïti. Donc, pour le moment, et tout calendrier est censé kaba. Donc, nous avons suivi l'évolution maladie, l'évolution pandémie, pour nous connaître qui mesure, mais pendant ce temps, dans la direction planification et coopération externe, le ministère de l'Éducation nationale, nous continuons à travailler sur un paquet de calendrier. Donc, pour nous connaître, nous allons relouvrir l'école là en temps normal, pour nous connaître qui gens nous allons avancer avec un autre calendrier. Donc, nous devons poser des précisions pour nous. Mais pendant ce temps, un message important pour les élèves de l'école qui est à Kayo. Vous connaissez la nature à horreur du vide. Lors de la carrière, vous n'avez pas rien. Ou qu'à venir désapprendre. Donc, nous avons un conseil. De temps en temps, faites une révision là, nous, regardez notre nom, et puis faire recherche, notamment dans les qui ont en ligne, qui ont devant en ligne, vous êtes capable de faire ça pour ne pas arrêter la caillou inactif. Donc, parce que j'aime te dire là, faut que nous réactifs, faut que nous vigilants, faut que nous fassions pile attention, faut que nous ne banaliser la maladie, mais en même temps, tout, faut que nous éviter la panique. Pour ne pas créer l'autre problème pour tête. Merci, professeur. Merci. Merci, professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce n'est pas seulement jeudi, on a pour nous parler de secteur éducation ou bien de formation professionnelle. Dans le jour qui a venu, on a pour nous recevoir secrétaire d'État à la formation professionnelle là. Dans le commencement de la semaine prochaine, nous allons parler de plateforme numérique. Là. C'est ça, Mélodie Vincent, qui est directeur communication dans le ministère. Donc, plein feu. Alors, plein feu, c'est sur toute qualité d'information, généralement, quelconque, qui a un rapport avec le coronavirus. Là. Mais toute disposition l'État prend pour bailler réponse, pour protéger le monde et assurer la sécurité de la population à partager avec le grand public. Bien à vous et à tout à l'heure, n'a gagné Guito Edouard de la DINEPA. À tout à l'heure.
L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations.